Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, Arsène Lupin défie Herlock Sholmes. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mes chers amis. Je me fais l'interprète de ce que j'appellerai l'équipe Arsène Lupin pour vous dire le plaisir que nous avons à reprendre contact ce soir avec vous en continuant à vous conter les passionnants exploits du célèbre gentleman cambrioleur. Nombreux sont parmi vous ceux qui nous ont aimablement écrit pendant l'interruption de cette émission pour manifester leur impatience d'en entendre la reprise. Qu'ils soient ici remerciés de tous leurs témoignages de sympathie auxquels nous avons été sensibles. Nous sommes heureux de pouvoir enfin leur donner satisfaction aujourd'hui. Arsène Lupin reviendra donc désormais chaque samedi à cette même heure et sur cette même chaîne, passer un moment avec vous pour vous faire revivre quelques aventures choisies de sa périlleuse existence. Comme nous l'avions fait précédemment, nous vous présenterons pendant ces premières semaines des épisodes isolés de la vie mouvementée de notre héros. Puis, nous aborderons ensuite les grands morceaux de son histoire, c'est-à-dire des titres qui vous sont déjà familiers, tels que Le bouchon de cristal, L'aiguille creuse, 813, etc. En entendant annoncer le titre de l'émission de ce soir, Arsène Lupin défie Herlock Sholmes, vous vous êtes peut-être imaginé qu'il y avait eu erreur de désignation et que, rappelant un autre héros que nous avons fait revivre sur cette chaîne précédemment, il s'agissait de Sherlock Holmes et non Herlock Sholmes. Eh bien non. Je dois préciser ce petit point d'histoire littéraire. Lorsque Maurice Leblanc décida un jour d'opposer son héros à celui de Conan Doyle, par respect pour ce dernier, et comme la meilleure part n'était pas toujours faite au détective anglais, Maurice Leblanc décida de modifier légèrement le nom du célèbre limier en alternant ses initiales. C'est ainsi que Sherlock Holmes devint Herlock Sholmes dans sa lutte contre Arsène Lupin, dont vous allez entendre ce soir un épisode. Bonsoir mes chers amis. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au cours de l'été de 1912 au château de Thibermesnil dans les environs de Dieppe. C'était l'époque des grandes manœuvres et, ce jour-là, le banquier De Varme, seigneur du château, offrait à dîner à quelques amis, à son curé et au général Lamastre, accompagné des officiers de son état-major. Vous tous qui m'avez fait la joie de vous asseoir autour de cette table, il y a une chose que vous n'avez pas encore remarquée. Ah, et quoi donc? Regardez bien, mon ami Velmont. J'aimerais savoir, mon cher De Varme, ce que j'ai de si extraordinaire. Attendez, laissez les autres répondre. Alors, en regardant le visage de Velmont, quelque chose ne vous frappe-t-il pas tous? Il ressemble à un personnage connu, mais je ne saurais pas dire lequel. Ah, vous brûlez, mon général. Encore un petit effort. Mon Dieu, j'y suis! Monsieur Velmont ressemble à Arsène Lupin. Vous le connaissez donc? Vous connaissez Arsène Lupin, mon général? Ah, oh, comme tout le monde, par ses photographies. Aucune n'est pareille aux autres, mais chacune laisse l'impression d'une physionomie identique. Et cette physionomie, monsieur Velmont, présente avec la vôtre une similitude assez troublante, il faut le reconnaître. Vous n'êtes pas, hélas, le premier à m'en faire la remarque, mon général. Ah, mais c'est au point, mon cher, que si vous ne m'aviez pas été recommandé par mon cousin Estevan, et si vous n'étiez pas le peintre dont j'admire les très belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence dans les environs de Dieppe. Mais est-ce que précisément Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte? Après son fameux coup du rapide Paris-le-Havre. Mais c'est absolument exact, monsieur le curé. Il y a de cela 3 mois. Et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de Dieppe avec notre excellent Velmont, qui, depuis, a bien voulu m'honorer de quelques visites. Il est infiniment probable, d'ailleurs, que ces visites constituent un agréable préambule à la visite domiciliaire qu'il va me rendre l'un de ses jours, ou plutôt l'une de ses nuits. N'est-ce pas, Velmont? Mais comptez sur moi, mon cher De Varme. Mais en attendant, nous allons, si vous le voulez bien, passer dans le salon. Hein? Oui. C'est...
pardon, le salon, c'est le... par là. Mais, si je ne me trompe, mon cher hôte, ce que vous appelez votre salon doit être l'ancienne salle des gardes du château. Oui, mon général. Comme vous pouvez le constater, il occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume. Et vous avez réuni là de magnifiques pièces de collection. Oui, oui. Outre ces tapisseries pendues au mur, j'ai ici des tableaux et des meubles dont la contemplation me procure bien des joies. Tenez, entre autres, cette bibliothèque monumentale du plus pur style Renaissance. Que lit-on sur le fronton? En lettres d'or, je crois. Ah, je n'ai pas mes lunettes. Tibermesnil, et au-dessous cette fière devise, fais ce que veux. Seulement, mon cher Velmont, dépêchez-vous pour me cambrioler. Hein. C'est la dernière nuit qui vous reste. Pourquoi donc? Parce que... Oh, mais peut-être vaudrait-il mieux que vous buviez tranquillement votre café. Je vous ennuie avec mes petites histoires, n'est-ce pas, monsieur le curé? Du tout, mon bon ami. Racontez-nous. Messieurs, approchez-vous. J'ai l'impression que monsieur Devarme a une intéressante nouvelle à vous apprendre. Et quoi donc? Et dites vite. Allez. Eh bien, demain, à 5 heures de l'après-midi, je recevrai ici un hôte de marque. Dis donc. Ne nous faites pas languir. Herlock Sholmes. Le fameux détective anglais? Oui. Herlock Sholmes, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes qu'on ait jamais vu. Herlock Sholmes vient passer quelques jours à Tibermesnil. Serait-ce à cause de la présence d'Arsène Lupin dans la région? Oui. Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. Ah bon? Sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribue en effet les cambriolages de Montigny, de Gruchet et de Craville, sinon à notre voleur national. Et à présent, je crois que c'est mon tour. Allons donc. Mais vous avez été prévenu comme le baron de Cahorn? Non. Ah bon. Lupin sait bien que le même truc ne réussit pas deux fois. Alors? Regardez ce rayon de ma bibliothèque. Hein? Vous constatez qu'entre ces deux infolios, il y a un espace vide. Mais qui avait-il là? Un livre. Un livre du XVIe siècle intitulé « La chronique de Tibermesnil » qui retraçait l'histoire du château depuis sa construction. Il contenait trois planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine, la seconde le plan des bâtiments, et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, le tracé d'un souterrain dont l'une des extrémités s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts et dont l'autre aboutit ici, dans cette salle même où nous nous tenons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. C'est mauvais signe, j'en conviens, mais cela suffit-il pour nécessiter l'intervention d'Herlock Sholmes? Non, bien sûr. Mais il s'est produit un autre fait qui donne au premier toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique. Et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, par exemple, l'établissement d'un profil et d'une échelle et diverses annotations, non pas imprimées, mais écrites à l'encre et plus ou moins effacées. Je connaissais ces particularités et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait, sans qu'on ait pu déterminer les conditions dans lesquelles le vol avait été effectué. Oui, je comprends que vous preniez l'affaire au sérieux. Ben on a fait une enquête, j'espère. Oui, à la Bibliothèque nationale, ici également. Bien entendu, aucun résultat, puisqu'il s'agissait, je n'en doute pas une seconde, d'Arsène Lupin. C'est alors que j'ai eu l'idée de faire appel à Herlock Sholmes, qui a accepté avec joie, ayant depuis longtemps, m'écrit-il, le vif désir de se mesurer à notre voleur national. Quelle gloire pour Arsène Lupin. Mais dites-moi, mon cher Devarme, si Lupin n'a pas inscrit à son programme le cambriolage de Tibermesnil, Herlock Sholmes va se tourner les pouces. Non, car il sera également passionné par la recherche du souterrain. Ah oui. Mais vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne et l'autre dans ce salon même. Oui, mais en quel lieu de ce salon? Ah, voilà. Sur les cartes, la ligne qui représente le souterrain aboutit bien à un petit cercle marqué de deux majuscules T et G, ce qui signifie certainement Tour Guillaume. Mais la tour est ronde. Nous sommes ici dans une pièce circulaire et immense. Qui pourra déterminer à quel endroit du cercle s'amorce le tracé du dessin? C'est un problème difficile. Mais peut-être pas un problème à solution. Oui, en tout cas, le secret est perdu. Et aujourd'hui, nul au monde ne le connaît.
Il paraît qu'à leur lit de mort, les seigneurs de Thibermesnil se le transmettaient de père en fils. Mais le dernier du nom, Geoffroy, a eu la tête tranchée à 19 ans, le 7 Thermidor en deux. Mais depuis un siècle, on a dû chercher. Mais moi-même, mon pauvre Valmont, j'ai fait faire des fouilles quand j'ai acheté ce château. On a dû les abandonner. Songez que cette tour où nous sommes et qui est environnée d'eau n'est reliée au château que par un seul point. Et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Non, en réalité, tout le problème est ici, entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Ah, j'avoue cependant que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice. Aucun. Pardon, monsieur de Varme, nous devons tout de même faire état de deux citations. c'est qu'il faut que je vous dise, mes amis, que monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire. Et tout ce qui touche à Thibermesnil le passionne. Mais à mon avis, l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Quelle explication donne-t-il? Vous y tenez? Oui, bien sûr. Nous vous écoutons. Ben, vous saurez donc, des lectures de monsieur le curé, il résulte que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France? Oui. Ah. Henri IV et Louis XVI. Ah bon? Et en quelles circonstances? Monsieur le curé va vous le dire lui-même. Oh, c'est bien simple. L'avant-veille de la bataille d'Arc, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11h du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar, qui en cette occasion livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses royales économies d'État, sans l'accompagner d'autres commentaires que cette phrase sibylline. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Oui, ça n'est pas d'une clarté aveuglante. N'est-ce pas? Non, ça... Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme, sans trahir le secret au scribe auquel il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse. Je vous l'accorde, mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui s'envole? Oui, et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu? Ah, ça, mystère. Et ce bon Louis XVI, fût-ce également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain? Je l'ignore, mon cher ami. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Thibermesnil. Et que la fameuse armoire de fer trouvée au Louvre sur la dénonciation de Gamin, oui, renfermait un papier avec ces mots écrits de la main royale. Thibermesnil, 2, 6, 12. Oh, mais victoire! Les ténèbres se dissipent. 2 fois 6, 12. Riez à votre guise. Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un saura les interpréter. Herlock Sholmes, d'abord. À moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez-vous, Velmont? Je pense qu'aux éléments fournis par votre livre et par celui de la Bibliothèque nationale, il manquait un renseignement de la plus haute importance et que monsieur le curé vient de me le donner. Et je l'en remercie. De sorte? De sorte que maintenant, la hache ayant tourné, l'oiseau s'étant enfui et 2 × 6 faisant 12, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Et sans perdre une minute, mon gaillard. Sans perdre une seconde. Ne faut-il pas que je cambriole votre château avant l'arrivée d'Herlock Sholmes, c'est-à-dire cette nuit même? Ah, il est fait que vous n'avez que le temps. Alors permettez-moi donc de me retirer. Vous ne regagnez pas Dieppe, je suppose. Et si... Alors je vous conduis en automobile. Je vais chercher monsieur et madame de Gandrolles et une jeune fille de leurs amis qui arrivent par le train de minuit. Oh, mais j'accepte votre offre avec grand plaisir. D'ailleurs, mon général, et vous aussi, messieurs, nous nous retrouverons tous ici demain pour le thé. Oh, si, je compte absolument sur vous, puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de 3 heures, je crois. Velmont partit avec le maître de maison, qu'il déposa à Dieppe, et qui alla chercher ses invités à la gare. Au château, le souper offert aux voyageurs fut très gai. Monsieur de Gandrolles avait de l'esprit, et la jeune fille américaine, Nelly Underdoors, dont sa femme s'était fait le chaperon pour son séjour en France, était aussi charmante que jolie. À 1h30 du matin, on alla se coucher. Bientôt, le château s'endormait dans le grand silence de la nuit.
Mais, à 3 heures, des bruits étranges se firent entendre dans l'immense salon circulaire baigné de lune. Une partie de la bibliothèque tourna sur elle-même, découvrant une large ouverture en forme de voûte, et un homme entra, une lanterne sourde à la main. C'est ici. Entre. Tu vois, je ne m'étais pas trompé. Mon petit Lupin, t'es un chef. Bon, appelle tes hommes, vite. Nous avons à déménager beaucoup de choses et de fort belles. Hein. Entrez, vous autres. Bon, ces 4 fauteuils Louis XV, emmenez. Décrochez-moi ces 2 tapisseries d'Aubusson. Roulez et enlevez. Oh, dis Lupin, regarde. Un beau fragonard. Oui, laisse-le, il est faux aussi. T'aurais dû te faire commissaire priseur. Oui, par contre, qu'on emmène ce petit Rembrandt, ces 2 nattiers et ce buste de Houdon. Et vous avez entendu, les gars, allez en vitesse. Et ce tableau-là? C'est un Véronèse. Il est trop grand et trop lourd. Dommage. Ah, nous avons aussi ces 6 chaises Louis XV et ces 2 commodes. Je jurerais qu'elles sont signées. Il y a aussi là-bas une vierge du 15e en bois doré que j'ai repérée en prenant le café. C'est une merveille. Enveloppe-la soigneusement dans une couverture. Pour qu'elle ait pas froid. C'est ça. Ces 2 chandeliers d'argent, cette bergère, oui. Ces 2 dessins de clouet, et alors toutes ces porcelaines de Chine. Et pour la porcelaine, on a un panier spécial. Bon, très bien. Ces 2 tapis de prière. Et le lustre de Venise. Non, ce serait trop loin à décrocher, on n'a pas le temps. Et mes gars travaillent vite. Hein. Oui, je me plais à le reconnaître, mais le lustre, ce sera pour une autre fois. Et les bibelots? Non, je m'en charge. Je sais exactement ce que je veux, j'ai fait mon choix. Le maître de maison de cette époque, tu regardes les choses avec tant d'attention. Ah, voyons, le peintre Velmont est un grand amateur d'art, hein, c'est bien connu. Tu m'as apporté ma musette. Et la voilà, attends, je te la passe en oui. Et dis donc, c'est plutôt un sac de marin, on y a de quoi mettre, hein, là-dedans. Bah, il faut ça. J'ai vu là-bas une vitrine qui contient une collection unique de montres et de tabatières. Bon, allez, disparaissez tous, je vais repousser sur vous le panneau de la bibliothèque et vous me laisserez seul. Et on t'attend en bas? Non, 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 vous filez tout de suite avec le camion jusqu'à la grange de la Roque. Et toi? Laisse-moi la motocyclette. Et entendu? À tout à l'heure. Et maintenant, à la vitrine. Voyons. Ma petite pince pour faire jouer la serrure. Parfait. Voilà. Oh, c'est ravissant ces babioles. Oh, on a un chien, quelqu'un. Des doubles rideaux, vite. Sortez de derrière ces rideaux, je vous ai vu. Vous ne me faites pas peur. Sortez, vous dis-je. Nelly. Arsène Lupin. Nelly. Mais que faites-vous ici à une heure pareille? Je suis une invitée de Monsieur de Varme. Je ne peux pas dormir. Je venais chercher un livre dans la bibliothèque. Et vous? Vous êtes toujours un voleur. Oui. Et pris sur le fait. Et par vous, Nelly. J'aurais préféré 10 policiers. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi après cette adorable traversée à l'arrivée de New York. Je ne m'en souviens plus. Nous descendions ensemble. Je vous avais confié mon Kodak. J'y avais caché les diamants volés à quelques passagères. Quand Ganimard m'a mis la main au collet, vous avez compris que votre Roméo était le voleur recherché en vain pendant toute la traversée. Vous avez compris que le Kodak que j'avais glissé entre vos mains faisait l'office de coffre-fort. Vous pouviez le remettre à Ganimard. Et au lieu de cela, pour me sauver par un mouvement de maladresse simulé, vous l'avez laissé tomber dans l'eau, entre le quai et le flanc du navire. Eh bien cela, je ne l'oublierai jamais, Nelly. En vous sauvant, j'espérais aussi sauver votre âme. Je me suis faite votre complice. Et je vois que cela n'a servi à rien. À rien. Écoutez, Nelly. Cet après-midi, à 4 heures, tout sera remis en place. Les meubles seront rapportés. Cet après-midi, à 4 heures, je m'y engage solennellement au nom des heures que nous avons passées ensemble sur ce bateau. Et rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Comment pourrais-je encore vous faire confiance? Je le jure sur vous-même, Nelly. Écoutez, tes pas. J'entends marcher. Je n'entends rien. Mais comment? Il faut fuir.
fuir. Fuir? Il le faut. Je vais guetter près de la galerie. Pendant ce temps, allez-vous-en, allez-vous-en. Nelly courut au fond du salon, fit semblant de guetter les bruits imaginaires qui venaient de la galerie, et quand elle se retourna, elle poussa un soupir. Arsène Lupin avait disparu. Au milieu de l'après-midi, le banquier de Varme reçut ses amis et leur offrit le thé sur la terrasse. Et voilà, mon cher curé, ce qui s'est passé cette nuit. Mais c'est épouvantable. C'est les plus belles pièces de ma collection. Ah, le gaillard est un fin connaisseur. Soupçonnez-vous quelqu'un? À vous, monsieur le curé, mais à vous seul, je ferai part de mon intuition. Pour moi, c'est Velmont qui a fait le coup. Allons donc. C'est Velmont. Parce que Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'explique ainsi et rien ne s'explique autrement. J'ajoute que cette idée ne fait que m'effleurer, tellement il me semble invraisemblable tout de même que Velmont ne soit pas Velmont, c'est-à-dire le grand peintre, camarade de cercle de mon cousin Estrevan. Vous avez raison, mon bon ami. Gardez-vous de porter des jugements téméraires. Tenez, regardez le général qui fait la cour à Nelly. Mais toujours jeune, mon général. Mon cher ami, je préfère le fruit vert au fruit mûr. Mais dites-moi donc, Velmont ne devait-il pas venir prendre le thé avec nous? Mais oui, je l'ai invité. Je serai franc. S'il ne vient pas, c'est la preuve que c'est lui qui vous a cambriolé. Oui, figurez-vous, mademoiselle, que l'ami de notre cher Devarme, le peintre Velmont, ressemble comme deux gouttes d'eau à Arsène Lupin. Voilà Velmont. Ah, le voilà! Ne suis-je pas exact? Si, mais vous auriez pu ne pas l'être après une nuit si agitée, car vous savez la nouvelle. Non, quoi donc? Vous avez cambriolé le château. Oh, pas possible. Venez, que je vous présente à l'exquise Nelly Underwood. Oui. Horace Velmont, le célèbre peintre. Mademoiselle. Monsieur. Je vous laisse tous les deux. Prenez garde, Nelly. Velmont est un charmeur. Venez donc avec moi, mon général. Je pensais que vous n'oseriez pas venir. J'oserais n'importe quoi pour vous voir. Cette nuit, vous m'aviez fait une promesse. Or, il est 4 heures. Eh oui, Nelly, il est 4 heures. C'est pourquoi je vous dis retournez-vous et regardez ces deux fourgons militaires qui entrent dans le parc et qui s'approchent du château. Oh. Ah, ça, mais... Non mais dites-donc, mon général, vos militaires se trompent! Que viennent-ils faire ici? Mais ma parole, ils s'en foutent! Sergent Fourier! Mon général? Qu'est-ce que vous venez faire ici avec ces deux fourgons? Mais mon général, j'exécute l'ordre du colonel Beauvel. Du colonel Beauvel? Oui, mon général, voici l'ordre. Lisez-moi ça, j'ai pas mes lunettes! Par cet ordre, la 2e compagnie du 3e bataillon pourvoira à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Halleux, en forêt d'Arc, soient portés à 4 heures chez M. Georges Devarme, propriétaire du château de Thibermesnil. Signé, le colonel Beauvel. Alors, on a été au carrefour, on a trouvé tous ces meubles et tous ces bibelots bien alignés sur le gazon. On les a chargés et nous voilà. Curieux, vraiment curieux. Colonel Blizzard, mon général, voulez-vous m'examiner la signature portée au bas de cet ordre de mission? Oui, mon général. Sergent, donnez. C'est bien la signature du colonel Beauvel. Voyons voir. Non, mon général. Elle est parfaitement imitée, mais elle est fausse. Ça par exemple. Je voudrais bien savoir quel est le lascar. Mais c'est merveilleux, mon général. Tout est revenu ici grâce à vos hommes. Mais ces faux et usages de faux ne sont pas réglementaires. Enfin, tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Laissez. Pour vous remercier de votre si charmante hospitalité, mon cher hôte, j'ai fait installer derrière ce rideau d'arbres là-bas la musique du régiment. Oh, quelle attention délicate! Je suis confus. Allez, venez vous asseoir. Mais bien volontiers. Alors, j'ai tenu ma promesse. Vous attendez peut-être que je vous remercie? Oh, Nelly, comme le passé est loin. Vous rappelez-vous nos longues heures sur le pont du transatlantique? Tenez, vous aviez comme aujourd'hui une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandé, vous n'avez pas semblé entendre. Et cependant, après votre départ, je l'ai trouvée, la rose. Oubliée sans doute. Je l'ai gardée. Taisez-vous. Je voudrais tant ne plus être celui que vous avez vu cette nuit. Je voudrais tant que vos yeux me regardent, ne fût-ce qu'une seconde, comme ils me regardaient autrefois.
Ne suis-je plus le même? Je voudrais ne plus vous revoir, jamais. Adieu. Nelly. Oh, cette rose. Elle l'a oubliée. L'a-t-elle réellement oubliée? Le cœur plein de mélancolie, Arsène Lupin ne rejoignit pas les invités. Il s'en éloigna peu à peu et, sans que personne ne l'eût remarqué, il sortit du parc pour se rendre à la gare. Il prit un raccourci qui allait à travers champs. Après 10 minutes de marche, il parvint à un endroit où le chemin se rétrécissait, encaissé entre deux talus, et là il buta presque contre un gentleman long et maigre, le visage rasé, surmonté d'une curieuse casquette en tissu écossais, comportant une visière sur le front, une autre sur la nuque, et deux couvre-oreilles réunies au sommet de la tête par le nœud d'un cordon noir. L'étrange personnage ôta sa pipe d'entre les dents. Je demande votre pardon, monsieur. Je suis bien sur le chemin du château de Thibermesnil. Oui, tout droit, monsieur, et à gauche dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. Oh, réellement? Oui, mon ami Devarm nous a annoncé votre visite dès hier soir. Mais... Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Herlock Scholz n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. Merci. Oh, attention! À mon tour de vous remercier. Si vous ne m'aviez pas attiré contre vous, ces cuirassiers m'écrabouillaient. Oui, ce sont les grandes manœuvres et la troupe n'a guère d'égard pour le pauvre civil. À votre service. Au plaisir de vous revoir, monsieur Herlock Scholz. Si quelqu'un avait pu les surprendre, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes célèbres, de ces deux intelligences supérieures, prêtes à s'affronter. Arsène Lupin, cependant, marquait un point. Il n'avait pas caché au grand détective britannique qu'il l'avait reconnu, alors que Herlock Scholz, lui, ignorait qui il était. À cette pensée, Lupin sourit. Mais soudain, son visage s'assombrit. Il revoyait l'œil de l'Anglais et... Maintenant, il n'était plus tellement sûr qu'avec cet œil, il n'eût pas été photographié plus vite qu'avec le plus rapide des objectifs. Pendant ce temps, Herlock Scholz arrivait au château, où il était reçu à bras ouverts. Enfin, maître, c'est vous. Par quelle joie j'éprouve à vous voir. Il y a si longtemps que j'espérais... Je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous accueillir. Mais à propos, comment êtes-vous venu? Par le train. Mais je vous avais envoyé mon automobile au débarcadère de Dieppe. Une arrivée officielle, avec tambour et musique. Excellent moyen de me faciliter la besogne. Non, excusez-moi, mais heureusement, la besogne sera plus facile que je ne vous l'avais écrit. Pourquoi? Parce que le vol a eu lieu cette nuit. Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, il est peu probable que le vol ait eu lieu cette nuit. Et quand aurait-il eu lieu? Demain, ou un autre jour. Et en ce cas? Lupin eût été pris au piège. Et mes meubles? N'auraient pas été enlevés. Mes meubles sont ici, monsieur Herlock Scholz. Ici? Oui. Ils ont été ramenés à 4 heures. Par Lupin? Par 2 fourgons militaires. Et monsieur Holmes, que faites-vous? Je m'en vais. Mais pourquoi? Vos meubles sont là. Arsène Lupin est loin. Mon rôle est terminé. Mais cher monsieur, j'ai encore besoin de votre concours. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain, puisque nous ignorons comment... Arsène Lupin est entré, comment il est sorti et pourquoi quelques heures plus tard, il me rendait ce qu'il m'avait pris. Ah, vous ignorez... Soit. Cherchons, mais vite, n'est-ce pas? Et autant que possible, seul. Le châtelain emmena Herlock Scholz dans son fameux salon. Et là, il lui conta par le détail la succession des événements et tout ce qu'il savait sur le souterrain. L'Anglais... examina les 2 volumes de la chronique qui venait d'être restituée. Il se fit répéter les citations relevées par le curé et ne posa plus qu'une seule question. C'est bien hier que pour la première fois vous avez parlé de ces 2 citations? Oui, hier. Auparavant, vous ne les aviez jamais communiquées à M. Horace Velmont? Jamais. Bien. Commandez votre automobile, je repars dans 1 heure. Comment? Dans 1 heure? Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. Moi, je lui ai posé... Mais oui, Arsène Lupin et Velmont, c'est la même personne. Je m'en doutais. Oh, le gredin. Hier, à dîner, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines.
Et dans le courant de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. C'est admirable. L'important, c'est de découvrir le tracé du souterrain. Et vous espérez... Je n'espère pas le découvrir. Oh. Je l'ai découvert. Monsieur Herlock Sholmes. Il existe, n'est-ce pas, une chapelle à 200 ou 300 mètres du château? Oui, oui. Une chapelle en ruine où se trouve le tombeau du duc Rollon. Dites à votre chauffeur qu'il nous attende auprès de cette chapelle. Mais il n'est pas encore de retour. On doit me prévenir quand il sera là. Vous estimez donc que le souterrain aboutit à la chapelle? Veuillez, monsieur, me faire apporter ici une échelle et une lanterne. Vous avez besoin d'une échelle et d'une lanterne? Apparemment, puisque je vous les demande. Bien. Joseph, monsieur, apportez-nous l'échelle qui est au bout du couloir et une lanterne. Bien, monsieur. Puis-je me permettre de vous demander l'usage que vous comptez faire de cette échelle? Vous faire grimper dessus. Moi? Oui. Vous n'avez pas de rhumatisme? Oh, non, pas encore, mais avec le climat humide de la Normandie, ça ne saurait tarder. Voici l'échelle, monsieur. Et la lanterne. Bon, merci, Joseph. Laissez-nous. Bien, monsieur. Maintenant, de Varme, veuillez appliquer cette échelle contre la bibliothèque, à gauche du mot Tibermesnil. Non, un peu plus à gauche. That's it. Veuillez grimper. Et vous assurez que toutes les lettres de ce mot sont bien en relief. Et elles le sont. Very well. Occupons-nous de la lettre H. Tourne-t-elle dans un sens ou dans l'autre? Oui, elle tourne vers la droite. Et d'un quart de cercle. Excellent. D'où vous êtes, pouvez-vous atteindre la lettre R? Oui. Alors, remuez-la plusieurs fois comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse et que l'on tire. Voilà. Oh! Il vient de se produire un déclenchement intérieur. J'en étais sûr. Il ne vous reste plus qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot Tibermesnil. Bien. Maintenant, si je ne me trompe pas, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre L s'ouvrira comme un guichet. La lettre L s'ouvre. Attention, tout le panneau pivote, il va vous faire tomber. Non, non, j'ai sauté à temps. Mais regardez, l'orifice du souterrain. Oh, monsieur Herlock Sholmes, vous êtes un génie. Il n'y a rien de sorcier dans tout cela. Il suffisait de lire la citation de Sully. La lettre H tournoie, la lettre R frémit et la lettre L s'ouvre. Ce qui a permis à Henri IV de recevoir Madame de Tancarville à une heure galante. Oui. Mais Louis XVI... Louis XVI était habile serrurier. J'ai lu un traité des serrures de combinaison qu'on lui attribue. De la part de Tibermesnil, c'était se conduire en bon courtisan que de montrer à son maître ce chef-d'œuvre de mécanique. Il faut s'en souvenir, le roi a noté 2, 6, 12, c'est-à-dire H, R, L, la deuxième, la sixième et la douzième lettre du mot. Oh, vous me voyez plein d'admiration. Mais comment Lupin a-t-il pu pénétrer, car il venait du dehors, lui? Tenez la lanterne à bout de bras et passons derrière. Regardez. Tout le mécanisme est ici apparent comme les ressorts d'une horloge et toutes les lettres s'y trouvent à l'envers. Lupin n'a eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. Mais quelle preuve! Voyez cette flaque d'huile. Il avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés. Mais alors, il connaissait l'autre ici. Comme je la connais. Suivez-moi. Dans le souterrain? Vous avez peur? Alors, non, non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître? Les yeux fermés. Ils descendirent des marches. Se trouvèrent dans un long corridor suintant d'humidité. Ils passèrent manifestement sous l'étang et se trouvèrent bientôt devant un escalier de 12 marches qui les mena à un mur. Au-dessus de leur tête, ils aperçurent un mécanisme identique à celui de l'entrée.
ils firent manœuvrer les trois lettres. Le pan du mur bascula et ils se trouvèrent dans la chapelle. Et l'on va jusqu'à Dieu, disait le texte, c'est-à-dire jusqu'à la chapelle. Ah non, c'est inouï. Miraculeux. Et cependant d'une simplicité enfantine. Comment personne n'a-t-il jamais percé ce mystère? Parce que tout le monde, monsieur, n'est pas apte à déchiffrer les énigmes. Et voilà 10 ans que je cherche, et vous, en 10 minutes, vous seul et Arsène Lupin. Oui, moi et lui. Tiens, une automobile qui attend. Mais c'est la mienne. La vôtre? Vous m'aviez dit que votre chauffeur devait passer prendre vos ordres. En effet, c'est curieux. Édouard! Monsieur? Qui vous a donné l'ordre de venir ici? Mais monsieur Velmont. Monsieur Velmont? Vous l'avez donc rencontré? Oui, monsieur, près de la gare. Et il m'a dit de me rendre à la chapelle. À la chapelle? Oui. Pourquoi faire? Pour y attendre monsieur Herlock Sholmes. Oh, parbleu! Il a compris, mon cher ami, que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage délicat. Ah, c'est un gentleman. Rien qu'à le voir, je l'avais jugé. Comment? Vous l'avez vu? Nous nous sommes croisés tout à l'heure. Et vous ne l'avez pas arrêté? Quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, monsieur, Herlock Sholmes ne profite pas des occasions. Il les fait naître. Monsieur, à propos, monsieur Velmont m'a chargé de remettre à monsieur Herlock Holmes ce petit paquet. Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas, monsieur. Monsieur Herlock Sholmes, de la part d'Arsène Lupin, qu'est-ce que ce peut être? Une montre? Est-ce que par hasard... Damn it! Comment c'est votre montre? Arsène Lupin vous renvoie votre montre? Ah, mais s'il vous la renvoie, c'est qu'il l'avait prise. Il avait pris votre montre. Oh, elle est bonne, celle-là. La montre de Herlock Sholmes, subtilisée par Arsène Lupin. Oh, Dieu que c'est drôle. Oh, non. Oh, vrai, vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi. Riez, monsieur Devarme, riez. Mais j'ai idée, voyez-vous, qu'Arsène Lupin et Herlock Sholmes ne tarderont pas à se rencontrer de nouveau. Oui, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et Dieu me damne ce jour-là. Dans la série « Les aventures d'Arsène Lupin », vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, Arsène Lupin défie Herlock Sholmes. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux et Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, le banquier de Varne, Yves Brinville, Herlock Sholmes, avec Christian Lude, Charles Lemontier, Henri Labussière, Jean Rougerie, Clément Béram et Nelly Borchau, le conteur Robert Marcy. L'aventure d'Arsène Lupin que vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne est intitulée « Odieux Mercure ».